Le cauchemar continue pour l'Olympique lyonnais. Incapable de remporter le moindre match depuis le début de la saison, les Gones de Fabio Grosso ont enchaîné une deuxième défaite d'affilée. Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, sur le terrain de Reims 2-0. Les Rodaniens restent ainsi lanterne rouge du championnat 2 points, sans avoir encore connu la victoire. Après la rencontre, Corentin Tolisso s'est présenté au micro d'Amazon Prime Video. Au bord des larmes, l'international tricolore a dressé un constat terrible sur la situation de son club formateur. « Je n'ai jamais vu le club dans cette position. Je pense au club, aux supporters. C'est vraiment dur. On n'a pas le droit d'être là où on en est », a lancé le milieu lyonnais. « On avait été solide, mais ce but en fin de première mi-temps nous a fait beaucoup de mal. On n'a pas réussi à être dangereux offensivement. Je ne sais pas quoi vous dire. Bien sûr que je suis touché. Depuis tout petit, je suis supporter de l'OL et je n'ai jamais vu le club dans cette position. Être footballeur professionnel à l'Olympique lyonnais et mettre le club dans cette situation, ça me fait plus que mal. On est dans une situation critique. » Et d'ajouter, on ne lâchera pas. On est dans une situation critique, on est dernier du championnat. Il reste encore beaucoup de matchs. Aujourd'hui, si on regarde les 7 premières journées, ce qu'on montre sur le terrain, c'est insuffisant. Il faut qu'on travaille énormément et qu'on relève la tête. Les supporters sont plus que déçus. C'est à nous de se parler et de se dire les choses dans le vestiaire. On espère gagner le prochain match et prendre des points. Cette belle en crise accueillera dimanche prochain Lorient, avant de recevoir Clermont et se déplacer à Marseille.